force extrême. Oh non, non, je dois vite trouver Kruger. Oh là là. Chaud devant. Eh, doucement, c'est quoi ça? Moi, cette radio. Pourtant, Kruger et les Rangers. Allez, suivez-moi, vite! Venez tous! Bon, dis-nous ce qui se passe. Pas le temps! Et attends une seconde. Regardez, je dois vous l'avoir déjà dit, ce n'est pas un endroit pour jouer. On joue pas, il y a un petit problème. Voilà. Ça fait quelque temps que je travaille dessus durant mon temps libre. J'ai construit un récepteur radio. C'est trop chou, Boom a fabriqué une radio et il veut tous qu'on l'écoute. Non! C'est loin d'être aussi simple. En fait, je me suis demandé où vont les ondes radio quand on a fini de les écouter. Par exemple, les ondes radio d'hier ou même celles d'il y a 10 ans. Dans l'espace. Voilà où elles vont. Donc j'ai construit ce récepteur pour récupérer les ondes radio de l'espace. En croyant qu'on entendrait la grande finale de 1932 ou même un vieux débat présidentiel. Mais non. Mais écoutez... Je vous en prie, aidez-nous. Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est le 15e anniversaire de la prise de contrôle de la Terre par les Bouillons. Ouais, c'est sûrement une vieille émission spatiale. C'est drôle, non? Attendez. Écoutez. Le 11 juillet, le même jour, la super police Delta nous a laissés sans aucune défense. Les forces troupiales ont tout détruit. Seul un groupe de combattants a survécu. Nous avons envoyé le Ranger Omega en mission, mais il n'est pas revenu. Je dois couper. On est le 11 juillet 2135. Ça tient pas. Un message radio datant du futur? C'est impossible. Kat. Eh bien, si la théorie d'Einstein est bien conforme, alors oui, c'est possible. Une théorie, c'est un mot qui veut dire une hypothèse sans preuve. Cadet, vous avez peut-être raison et je l'espère de tout cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet, le jour où, selon la radio, la SPD a été vaincue. Êtes-vous prêt à courir un tel risque? Tu t'entraîneras avec les Crybot. Je n'ai pas envie que tu massacres les meilleurs robots de mon armée. À l'avenir, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus d'entraînement. Oui, je vais faire aux Terriens une démonstration de force dont ils n'ont pas idée. Une vieille connaissance va me donner un coup de main. Il se fait appeler Shorty. Shorty? Oui, je le connais, c'est un passionné de destruction. Sa force est exceptionnelle. Son aide est vraiment nécessaire si je veux battre ces idiots de Ranger. Et s'il n'y arrive pas? J'ai un autre plan. Bien, alors vas-y. Et si tu réussis, je te rendrai ta forme. Tu redeviendras la petite Mora. La radio a sans doute raison. Notre alarme vient de se déclencher. Où est le cadet Delgado? Elle a eu peur en écoutant la radio tout à l'heure. Je vais la trouver. Allez, Ranger. Oui, Jack, vas-y, parle. Zed, c'était vrai. Le centre-ville est attaqué. Très bien, j'arrive. Bonjour, Zed. Les poupées, c'est toujours ton truc ou t'as arrêté?
On se connaît pas? Oh, si. C'est toi qui as détruit ma si gentille Cindy, t'as pas oublié? C'était à toi? Je croyais que c'est... Amora, en effet. J'ai oublié de me présenter à toi, Ranger. Je suis Morgana. Tu veux t'amuser? D'accord, on va s'amuser à ça. On y est. On ne bouge plus. SPD. Hé, hey, c'est à toi qu'on parle. Moi? Mais vous me faites plaisanter. Est-ce qu'on a l'air de rigoler? D'accord. Essayez de m'arrêter. Ah, il est drôlement fort. On est plus fort que lui. Feu. D'accord, on passe aux choses sérieuses. SPD, l'arme de la loi. SPD jaune. Oh, mais j'ai aussi une tenue très saillante. Je t'en veux encore. Tu vas me suivre. Là-haut, petite Ranger. Rétromutation. De vous. Power Ranger, c'est un nom idiot. Ça commence à m'ennuyer de jouer avec toi. Mais rassure-toi, on se reverra et je t'achèverai. Ne te vante pas! On va voir ça! Désolée pour le retard, je me suis fait une copine. Eh ben nous, un copain. Et je serais étonné qu'il te plaise. Descends, robot de la destruction! Pourquoi est-ce que je sens que ce sera la journée la plus longue de l'année? Maintenant, on va vraiment rigoler! J'ai toujours rêvé de conduire un de ces robots. Les ennuis vont commencer pour vous! J'envoie les ordres. Hey Morgana et Shorty se baladent en liberté dans la ville. On dirait que la fin des Rangers est proche. C'est une catastrophe. On doit faire quelque chose. Courage, Ranger. On va réussir. Accrochez-vous. Mettons ce robot en place.
C'était bien essayé, Ranger. Maintenant! Qu'est-ce qu'il lui prend? Elle a l'air d'être très remontée. On saute! Vous ne pouvez rien faire, chef. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont les meilleurs de nos cadets. Vous pensez vraiment que ça suffira? Ah! Il est trop fort! Shorty, c'est le moment. À tes ordres! Jack, aide-nous! On doit se redresser! Oui, voilà! Et hop là! Choc, c'est pour la terre! Si j'appuie sur l'activateur, le signal sera envoyé et cette planète sera alors dévastée! Oui! Oh oh! Voyons comment s'en sort Morgana. Oh, elle combat le Mégazord. C'est l'heure de la destruction de la Terre. 3... Non. 2... Oh, non, mais c'est pas juste. Commandant. Je m'occupe de lui. Qui es-tu? Je suis le Shadow Ranger. Je suis le protecteur de la galaxie. Yeah! Oh, vraiment? Sabre Shadow en action! C'est parti, mon Kiki! Hop là! Je suis là! Comment c'est possible? Vas-y, frappe-moi encore! Allez, frappe! Je t'en prie, c'est ennuyeux de vous affronter. Je t'avoue, je pensais que les Rangers étaient plus forts. Attends, tu n'as rien vu encore. Vous y êtes? Oui. Battez-vous mieux. Prêt? Prêt. Expédez l'arme de la loi. Reconnaissez-le, je suis bien meilleur que vous, Ranger. C'est ce qu'on va voir. Allez, bats-toi. Tu peux pas me détruire. Moi, je suis invincible. Eh bien, on a tous ses hauts et ses bas. C'est pas fini. Ça dépend pour qui. Oh, allez! Sabre Shadow! Debout et bats-toi! C'est terminé, Morgana! Non! Attendez! Mais... Oui! Non! Non! Et voilà! Oh non! Ce ne sont que des feux d'artifice! C'est l'heure du jugement! Delgado! Oui! Shorty! Morgana! Vous êtes accusés d'avoir voulu détruire la Terre! Le verdict est... C'est ridicule! Coupable! Rick, à toi! Pas cette fois. Qui est-ce?
Un ami? Mon grand frère! J'y crois pas. Je m'appelle Dévastateur, le criminel le plus recherché de la galaxie. Une démonstration de ma puissance! Qu'est-ce que vous en dites, hein? Venez payer, frérot! Tu es très fort. Tu es le meilleur, t'es le meilleur. Oui, je vais les réduire en bouillie. T'avais dit que mon frère était toujours gagnant. C'est vrai, tu l'avais dit. Oh non! Et moi aussi, je veux m'amuser avec les autres! Vous perdez votre temps pour rien. Tous les trois réunis, on est invincibles. Rendez-vous! C'est hors de question! Attention! Ce sera la leçon d'aujourd'hui. Et comme devoir, ressentez l'émotion qui est en vous. Ça s'appelle la peur. Hé, grand frère, tu veux pas qu'on en termine? Non, laisse-les mariner dans le cauchemar de la peur. Mariner? On s'en va. Je ne savais pas une telle force possible. J'ai envoyé un message urgent au commandant de la galaxie et j'attends sa réponse. En attendant, trouvons à qui on a affaire. Son nom est Dévastateur. Il avait une mère originale. Il est connu pour être un criminel très dangereux. On s'en doutait. Et ce n'est pas tout. Son frère est aussi dangereux que lui. Mais cette Morgana, je n'ai trouvé aucune information sur elle. Je la connais. Elle est méchante, très puissante et a l'imagination d'un enfant de 10 ans. C'est un curieux mélange. Les ordres ont échoué face à eux et il va falloir du temps pour les remettre en état. Commandant Kruger, Ranger, le quartier général de l'ASPD a pris connaissance de votre requête. Nous pensons que ça nous prendrait trop de temps de venir jusqu'à vous. Et nous pensons également qu'envoyer des renforts nous ferait tomber dans une embuscade tendue par Grum. Vous devez vous défendre seul. Bonne chance. C'est notre fête, on dirait. Ça m'a toujours donné faim de me battre. Oh, en avant, Ranger. Prêt. Prêt. SPD, l'arme de la loi. Quelle vue appétissante. Je suis prêt pour le dessert, j'arrive. On ne bouge plus. SPD. Tu vas venir avec nous. Oh non, pas encore cette bande de nuls. On va te montrer qui est nul. On y va. Prêt? Armé? Feu! J'ai gagné! Pas encore! Tiens, Rick! Attrape! Essayez de bien viser, je n'ai pas peur de vous. Encore ces satanés Rangers. On va bien rigoler. Je suis d'accord. Cible verrouillée. Oh non! Non! On joue. Je t'ai eu. Mais que se passe-t-il? Je suis
savais que j'avais pas fini ma croissance. Il est immense. Oh non, Kat, on a besoin des ordres. Mauvaise nouvelle, les ordres ne viennent pas. Vous plaisantez? C'est la panique ici. Kat, on n'a pas le choix. Il nous faut le Mégazord. Je suis désolée, les réparations ne sont pas finies. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je déteste les immeubles vides. On n'est pas encore vaincus. Je suis étonnée de voir comme la victoire est facile. Avec la disparition des Rangers, on va gouverner la planète aux côtés de Grum. Le message radio avait peut-être raison. C'est la fin de la Terre. Ah, nous avons la SPD pile où on la voulait. Je suis contente de te satisfaire, ô maître. La bataille sera très bientôt terminée. Et la planète entière sera à moi tout seul.